Et bonjour tout le monde, Soximos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, une vidéo que vous attendiez tous. Eh bien on va aller voir la famille du naufragé qu'on avait retrouvé mort sur l'île déserte quand c'était crashé en bateau. En fait notre bateau avait coulé, on est atterri sur une île déserte déjà habitée. On a vu qu'il y avait un cadavre avec un livre à côté, et le livre raconte la vie du mec, qu'il a une femme, deux enfants, qu'il habite dans cette ville, et que eh bien si quelqu'un retrouve son message, eh bien, il faudrait offrir des fleurs à sa femme et tout. Donc les amis, on va aller découvrir la famille du naufragé et raconter toute l'histoire qui s'est passée de leur mari, parce que j'ai le livre avec un journal de bord, quoi, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, c'est juste là. Et voilà. Les amis, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu, c'est super important. Objectif 3000 pouces bleus. Hein, je compte sur vous pour mettre les 3000 likes et on est parti. S'il y a 3000 likes, ça c'est super, c'est l'objectif de la vidéo. S'il y a 5000 likes demain, eh bien on ira dans l'ancienne ville pour voir, vous savez, une maison qui a été qui est toujours habitée. Je vous rappelle qu'il y a de la radioactivité de partout, hein. Donc voilà, on va aller voir ça après. Enfin, on va aller voir ça dans la vidéo de demain s'il y a 5000 pouces bleus. Juste attendez, avant je vais aller voir Diego. Diego, ça va Diego? Oui. Ah bah super, mais qui t'a donné ce hamburger frites? C'est maman. Maman? Ouais. Purée, mais Miss Liv, les amis, Miss Liv, elle donne des hamburger frites à... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Eh, dis donc, dis à Miss Liv d'arrêter parce que... Enfin, dis à maman d'arrêter parce que sinon, tu vas devenir gros, hein. Ah non, parce que j'aime bien. Ouais, mais c'est pas parce que t'aimes bien que tu vas pas devenir gros. Justement, c'est parce que t'aimes bien les hamburgers et que t'en manges tout le temps que tu vas devenir gros. C'est pas que c'est mauvais, mais enfin c'est juste mauvais pour la santé, quoi. C'est pas bien parce que pour le niveau de la santé, c'est pas bien. Bon, du coup Diego, aujourd'hui tu vas me suivre avec parce qu'on va aller découvrir une famille. Tu te rappelles quand on était sur l'île déserte, eh bien on avait retrouvé un corps. Oui. Des ossements, et il y avait un livre, tu te rappelles, on l'avait lu, il racontait l'histoire du gars et qu'il avait une famille. Et aujourd'hui, on va aller voir cette famille, OK Diego? OK. Ok, bon bah voilà. Alors les amis, regardez, je vais vous lire un peu le livre pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos. Mais en gros, il dit: hier, j'ai pris l'avion en espérant aller aux Bahamas. J'ai laissé ma famille à la maison. Je voudrais tant les revoir. Il me manque déjà ma femme Janine. Donc sa femme, elle s'appelle Janine. Ma fille Léa et mon fils Maxime. Et j'oubliais, je m'appelle Hector le Bougre. Jour 2, tu vois, pour le moment rien à signaler, j'ai pas pu écrire, RAS, aujourd'hui j'ai cru voir un bateau, RAS, donc ça c'était son journal de bord de quand il était sur l'île déserte avant qu'il meure. Et là jour 13, j'arrive plus à tenir, je crois que c'est fini pour moi, si quelqu'un trouve ce livre, dites à ma famille que je les aime de tout mon cœur et je vous en supplie, offrez un bouquet de fleurs à ma femme de ma part, elle aime les fleurs rouges, on habite aux deux rues des Cocotiers dans la haute civile, adieu. Donc les amis, on va aller directement, chez le fleuriste, tout simplement. Et après, on va aller deux rues des Cocotiers. C'est pas très loin parce que c'est à côté de la gare, comme je vous avais dit. Donc on ira juste après. Là, on va aller au Sun Mall récupérer des fleurs, tout simplement. Ah bah tu t'es changé, purée, t'as été rapide. Bah bon. Oui. Allez Diego, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la vidéo là? C'est quoi l'objectif de pouce bleu que tu donnes aux abonnés? 30 000. 30 000, non, ça c'est le nombre de ça c'est le nombre de vues, ouais. 5 000, à 5 000, est-ce que tu fais une surprise aux abonnés pour les 5 000 ou pas? Les 5 000 likes? Oui. Tu fais quoi comme surprise? Ah bah non, ça va être une surprise. Je dois pas... Oui. Ok, ok. Bon, les amis, on va aller au Sun Mall par là. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et s'il vous plaît les amis, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais abonnez-vous. On est bientôt 600 000 abonnés. Si vous n'avez pas encore de compte YouTube, et bah, vous pouvez vous en créer un comme ça. Et bien vous pouvez regarder les vidéos tous les jours. Voilà, comme je sors une vidéo par jour, tous les jours vous regarderez une vidéo et tout. Et voilà, abonnez-vous. Ça fait plaisir, ça permet de me soutenir. Et c'est totalement gratuit. Je vais remercier comme d'habitude 3 personnes qui se sont abonnées hier. Alors, tac, 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 hop là, et je remercie Rabe, Lara, Colasina et Fan de Oximos. Voilà, il s'appelle Fan de Oximos, donc bon, j'ai des fans apparemment. Alors les amis, on va au Sun Mall, vous avez vu, le fleuriste est juste là. Bonjour monsieur le fleuriste. Ah, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites devant votre vitrine? Ah, mais quoi, vous nettoyez? Mais attendez, oui, refaites, c'est trop bien fait. Regardez les amis, il nettoie la vitre. Bon, monsieur le fleuriste, j'ai besoin de...
J'ai... C'est la femme de ménage. Non, lui c'est le fleuriste. Il fait aussi le ménage. Mais c'est un fleuriste. Il vend des fleurs. Bon, monsieur le fleuriste, j'ai besoin de fleurs pour une inconnue. Et tiens, on va faire un petit jeu. C'est que oui. J'ai le nom, le type de fleur et la couleur de la fleur que j'ai. Que je dois lui donner, mais je vais vous donner des indices pour voir si vous êtes un vrai fleuriste, si vous allez trouver quelle fleur correspond à cette femme, ok? Ok, ok. Bon, déjà, je dois offrir une fleur à... Enfin, une fleur, c'est plutôt un bouquet, mais c'est à une femme. La femme s'appelle Janine. Donc voilà, elle a deux enfants. Une fille qui s'appelle Léa et un fils qui s'appelle Maxime. Et elle a un mari qui aime bien l'avion, mais qui est malheureusement décédé. Ok, je vois. Donc, et la personne, c'est pas une preuve d'amour que vous voulez lui faire, je suppose. Non, 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 en fait, c'est justement son mari qui est décédé. Il lui a dit que, justement, il est mort loin de sa femme. Il a dit, ouais, si vous trouvez ce livre, celui que j'ai entre les mains, offrez à ma femme une fleur, nanana. Voilà, elle sera vraiment contente, c'est sa fleur préférée. Donc est-ce qu'avec le prénom, la vie un peu qu'elle mène, les deux enfants et tout, vous arrivez à me trouver une fleur un peu sympa ou pas? Je vais voir ça. Donc je pense déjà, pas une rose. Une rose, ça ferait trop preuve d'amour. Ensuite, j'irai plutôt vers une couleur chaude. Je sais pas ce que vous en pensez. Couleur chaude, c'est-à-dire du jaune? Jaune, rouge, orange. Ouais, c'est à peu près ça qu'il y a écrit dans la lettre. C'est vrai que ça fait un peu preuve d'amour des roses comme ça, mais en même temps elle m'a demandé un bouquet et je vous dis, là vous avez pas beaucoup de bouquets, c'est pas ce genre de fleurs qu'elle aime. Donc c'est un peu, je suis un peu coincé. Bon, je vais vous dire, en fait elle veut des fleurs, elle veut un bouquet de fleurs rouges. Mais, un bouquet, que je vois si j'ai ça. Mais comme vous dites, regardez, là c'est un bouquet de roses en fait. Oui. Donc en fait, c'est vrai que ça fait un peu preuve d'amour. Mais après, peut-être qu'elle aime les roses. Hein. Peut-être. Et en plus, ce qui fait preuve d'amour, c'est souvent quand on en offre une, alors qu'un bouquet, ça ferait un peu plus cadeau, comme ça. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Et après, attendez, parce que il a dit, donc c'est Hector, le mari, il a dit, offrez un bouquet de fleurs à ma femme de ma part. Donc c'est pas moi qui dois lui offrir, en fait. C'est la part de son mari, donc son mari, il l'aime. Donc en vrai... Oui, donc, faudrait partir sur des roses alors. Ben, en vrai, ce bouquet de roses là, il me paraît bien en fait. J'ai mal lu la lettre, c'est pour ça. Ok. Parce que finalement, si c'est de la part de son mari. Oui, je vais partir sur ça, ouais. Ok, donc tac tac. Donc ça va vous faire 15 euros, monsieur, le code de réduction. Ah ouais, nickel. Je peux vous payer plus tard, j'ai rien sur moi là. Mais vous savez, je suis Oxymose donc. Oui, je vois qui vous êtes. Ok, nickel. Bon, je vous paierai la prochaine fois que je passe souvent ici. Parce que là, je n'ai pas d'argent. Je vous laisse prendre votre bouquet de fleurs et on vous paierait plus tard. Ok, nickel. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Merci. Pas de quoi, au revoir. Au revoir. Au revoir. T'as vu, Diego, il est trop sympa, il m'a laissé partir sans payer. Bon, évidemment, je vais le rembourser. Hein. Je vais le rembourser, je lui dois de l'argent. Quoi, maintenant? Mais si, il faut le payer. C'est vrai que les amis, en vrai, je suis même pas obligé de faire la demande du mec. Hein. D'un autre point de vue, c'est un peu chiant. J'ai acheté des fleurs 15 euros pour une inconnue. Je vais pas lui demander de me rembourser. Et bon, il aurait pu laisser quelques pièces, le naufragé, quand même, Hector là. Hector le bougre, il aurait peut-être pu laisser quelques pièces pour que je puisse acheter un bouquet de fleurs. Non, je dois l'acheter avec mon argent. Bon, les amis, alors on est arrivé, regardez, là c'est rue des Cocotiers, voilà. Donc c'est ici, et là c'est le 1, 2, 3 et 4, si je me trompe pas. Donc voilà, regardez, il y a des gens à l'intérieur. Il y a des gens à l'intérieur, les amis. Attention, Diego, reste un peu en dehors, je vais aller d'abord tout seul ici. Regardez, des familles, le bougre. 2, c'est ça. On est bien à la bonne maison, les amis. Mettez un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dans les commentaires, vous mettez « De rue des Cocotiers ». Vous mettez ça, ok? Allez, c'est parti. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est les huissiers, on vient prendre tous vos meubles. Quoi? Oui, du coup... Non, mais c'est pas possible, monsieur. On a tout payé.
Non, je rigole. Oh, c'est... oh, pardon, il y a les petits. Pardon, je rigolais. Attendez, madame, je peux venir vous parler deux minutes en dehors des enfants? Oui, j'arrive. Maman, je vais dans le jardin. Ok. Oh là là. Moi aussi. Ah bon, je vous présente. Fais ça avec les enfants. Oui, oui, va jouer avec les enfants si tu veux. Donc voici mon fils, je me présente. En fait, on se connaît pas du tout, mais j'ai une mission pour. On m'a donné une mission, c'est d'aller vous voir et de vous informer du décès de votre mari. Il me semble que votre mari a disparu. Comment ça, monsieur? Il y a de ça quelques années. De quoi vous parlez? Bah non, de quoi vous parlez? Il est à la maison là. Mais si, votre mari a disparu en mer et du coup il a dit dans ses derniers souffles qu'il faut que je vienne vous voir pour vous informer de sa mort. Ben, je peux vraiment vous l'affirmer, il est à la maison, il est tranquillement en train de faire mais ses non. affaires. Ben si. Attendez, mais c'est pas possible. Ben, si je vous le dis. Moi je vous explique ce qui m'est arrivé, je suis parti en vacances avec mon fils Diego. En bateau, et en fait le bateau a coulé, on s'est retrouvé sur une île déserte, et en fait je suis tombé sur des installations sur cette île déserte. J'ai découvert qu'elles ont été créées par votre mari, qui a essayé de survivre, mais malheureusement qui est mort sur cette île déserte, parce qu'il n'arrivait pas à survivre en fait. Et il a un carnet, voilà, ça c'est le carnet de votre mari, qui explique que il a essayé de survivre, et qu'il n'a pas réussi, et que dans ses derniers souffles, il a dit « Offrez un bouquet de roses à ma femme, c'est Madame le Bougre, donc vous êtes bien Jeannine ?» Oui, c'est ça. Votre fils ici, c'est bien Maxime, et votre fils s'appelle Léa. Oui, moi, c'est Maxime et Léa. Ok. Léa ? Bonjour Léa. Salut Léa. Ah, tu parles pas Léa, t'es timide. Et Maxime, tu parles toi ? Oui. Ok. Montrez-moi votre mari, madame. Oui. Suivez-moi. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Tenez, juste à vous dire, elle est un peu folle. Elle croit que papa il est vivant, mais en fait, elle a une petite statue. D'accord, attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ah, c'est lui. Ah. Ça, c'est la photo de mon mari. Alors, je peux vous dire un truc, il ressemblait pas du tout à ça quand j'ai récupéré le livre. Donc je sais pas quand il a disparu. Bah, vous m'étonnez, vous l'avez jamais vu. Attendez, montrez-moi votre mari là. Votre vrai. Hector, on a des invités. Mais c'est pas votre mari ça, c'est une photo de votre mari sur un bloc. De quoi vous parlez ça? C'est Hector, c'est mon fils, c'est mon mari. Mais non, mais vous êtes folle. Vraiment, c'est lui. Hector, dis-lui que c'est vrai. Maman, voilà. C'est trop bizarre. Bon, les enfants, venez voir, je dois vous parler deux minutes, là. Elle rigole, la dame. Ouais. les enfants, on est d'accord que votre papa, il a disparu. Oui. En fait, maman, elle a jamais voulu admettre, mais en fait, du coup, depuis que papa il est plus là, du coup, elle est un peu folle. On est d'accord que... Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que vous l'avez vu? Il a fait quoi? Mais il a pris un avion. D'accord. En fait, je vais vous expliquer. J'ai retrouvé votre père, malheureusement. Il est mort, quoi. Mais en fait... Non, mais pleurez pas, les enfants, pleurez pas. Pleurez pas, non, il est... En gros, à côté de son corps, j'ai trouvé ce livre. Et en fait, il écrit qu'il vous aime très fort et qu'il se souviendra de vous à jamais et que, justement... il avait pas envie de vous abandonner et tout. Il vous a pas abandonné en fait. Il est parti en avion, il s'est crashé sur une île déserte. Et moi je me suis aussi crashé sur une île déserte. Et du coup je l'ai retrouvé, mais beaucoup plus tard quoi. Et il raconte dans son livre tous les jours qu'il a passé sur cette île déserte, en disant qu'il n'y arrive plus. Et que la mission de celui qui allait trouver ce livre là, c'était de venir ici et d'annoncer la nouvelle. Et en plus d'offrir un bouquet de roses à sa femme. Donc offrez ça à votre mère, les enfants, c'est de la part de papa, voilà. C'est papa qui vous les donne. Voilà, voilà. Comment il s'appelle, parce qu'il est trop gentil. C'est Diego. C'est mon fils. Ouais, ça va. les amis, en vrai, vous pouvez devenir amis, en vrai. Hein. Vous pouvez devenir amis. Ouais, c'est... Moi, j'ai 5 ans. T'as 5 ans? Diego, lui, il est né il y a quelques mois encore, mais voilà. Et toi, t'as une grosse tête, t'es tombé, on t'a fracassé la tête ou quoi? Non, je suis allée voir le docteur bizarre là-bas. Enfin,
Ah oui, d'accord, ok. Bon, oui, elle est partie voir il s'appelle Dimitri, le docteur. Oui, ok. Oui, alors, on n'allait plus jamais le voir, ce docteur. Il est fou. Ok, ok. Mais moi, à chaque fois qu'il y a un problème, je vais voir le docteur Jean-Bernard. Ouais, Jean-Bernard. Jean-Bernard Jean-Frédéric Cazeneuve. Ouais, je le connais, c'est un bon ami, il est fort. Bon, les enfants, je vais vous laisser là. Si vous voulez qu'on se revoie, pour que vous puissiez jouer avec Diego et tout, vous êtes les bienvenus à la maison. J'habite en bas du pont, là. J'habite à côté, en fait. Hein. J'habite pas très loin. Donc, voilà. Donc, remettez à la raison votre mère et voilà. Si vous voulez, je vous file le livre. Tenez, je vous donne le livre, comme ça, elle pourra le lire et elle pourra voir. Mais laisse le livre, Léa. Oui. Bon, allez, salut les enfants. Allez, Diego, viens. Au revoir, Diego. Au revoir, les copains. Au revoir. Les amis, bon, allez hop, c'est bon, on se taille de là. Bon, en tout cas, Diego, tu t'es fait des nouveaux amis, visiblement. Ils ont l'air d'être très contents de jouer avec toi. Et bon, au début, j'ai pas compris quand la daronne, elle a dit. Enfin, la daronne, la femme, elle a dit ouais, non, mon mari est toujours là et tout, je sais pas ce que vous racontez. En fait, non, c'est juste un espèce de bonhomme, un faux bonhomme, tu vois. Bon, ça m'a fait peur, mais finalement, même les enfants, ils disent que c'est la maman qui devient un peu folle parce qu'elle voulait pas le voir partir ou je sais pas quoi. Bref, les amis, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner également. N'oubliez pas, dans la description, il y a ma boutique de vêtements. La caméra va s'arrêter, c'est normal. Et bah, allez checker tout ça dans la description. Et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Abonnez-vous, comme je vous ai dit. La boutique de vêtements, envoyez-moi un produit une fois que vous l'avez reçu, et comme ça envoyez-moi une photo une fois que vous avez reçu le produit sur Instagram et je mettrai une photo ici sur le mur. Voilà, tout simplement. Allez, merci beaucoup à tous et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao ciao.